Le Tibet serait en grande partie lié aux origines du Shih Tzu, où il représente la lionne des neiges, créature qui symbolise le bien-être et emblème de ce pays. On le voit également chevauchant Manjushri Bodhisattva, divinité protectrice de la sagesse. Ainsi, beaucoup de légendes entourent le Shih Tzu Ku. De petits chiens lions du Tibet furent offerts aux empereurs de Chine par le Dalai Lama. À Pékin, ils vivaient dans les somptueux palais de la cité interdite, où les eunuques rivalisaient entre eux pour obtenir les plus beaux sujets. L'impératrice Zhuyi contribua beaucoup à l'essor de ses petits favoris. La première importation de Shih Tzu en Grande-Bretagne date de 1931 et c'est là qu'il obtint son premier livre des origines en 1940. La comtesse d'Anjou introduisit le Shih Tzu en France en 1953. C'est aujourd'hui le plus populaire des chiens tibétains dans notre pays. Le succès du Shih Tzu vient sans doute de sa personnalité, de son charme et de sa boue de vieux mandarin chinois. Sa tête qui rappelle la forme d'un chrysanthème est très séduisante. D'un naturel très sociable, le Shih Tzu est le compagnon idéal. C'est un chien intelligent, actif et éveillé, qui est aussi amical et indépendant. Interpellez un Shih Tzu, il vous écoutera, mais rien n'est moins sûr. Adoucissez votre voix, il fondra et se précipitera vers vous. Malgré sa fourrure, il aime les promenades car c'est un vrai sportif. Espiègle et gai, il sera toujours d'une tendresse débordante avec ses maîtres. Le Shih Tzu a besoin d'une famille qui saura lui donner tout l'amour qu'il recherche, sans oublier les soins nécessaires à l'entretien de sa jolie robe et de son toupet. Sa fourrure nécessite en effet un suivi régulier, avec des brossages et des bains. Excellent chien de compagnie, il mesure 25 cm en moyenne et vit entre 13 et 17 ans. Il est très sociable avec les autres animaux qui l'entourent. Il est aussi très affectueux, gai, joueur et son rapport avec les enfants est excellent.